Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Soyez les bienvenus sur le plateau de NCI Sport. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre magazine de décryptage de toute l'actualité sportive. Alors ce soir encore, pas mal de sujets dont nous allons parler, avec entre autres un entretien avec le footballeur Guy Stéphane Bédie. Et puis, on vous amènera en immersion dans le basketball FIBA Camp. Et bien voilà, allez, je vous propose tout de suite de suivre le sommaire complet de ce numéro de NCI Sport. Ce soir, dans NCI Sport, après cette journée de championnat, le Racing Club d'Abidjan toujours sans victoire. Qu'est-ce qui ne va pas chez les Lions de Yopougon? Faut-il s'inquiéter? En Ligue 2, l'Africa Sport réalise un début de saison remarquable. Comment les Aiglans ont su se remotiver après une intersaison troublée? Dans l'entretien du jour, le néo-éléphant de la récente trêve internationale raconte sa première sélection. L'inside du jour nous plonge au cœur de la FIBA Youth Camp. Le Ballon d'Or a-t-il perdu sa crédibilité? C'est le débat de ce lundi. Voilà, une heure et demie à passer ensemble pour aborder tous ces sujets. Je ne suis pas seule, donc vous pouvez les voir déjà en plateau avec moi. Les consultants de ce soir, bonsoir Nasser Eddy. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ah, on fait aller. C'est vrai? Allez, le week-end n'a pas été sportivement très reluisant. Pour qui? Personnellement parlant. Ah pour la SEC, d'accord. Non, okay. pas que, s'il vous plaît. N'entrons pas dans des polémiques. D'accord. Bonsoir, Patrick Guité. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Très bien. Moi, je vais très bien. Un meilleur week-end, apparemment. Absolument, pour vous. Oui. D'accord. Je vous ai vu quelque part. Bon, enfin bref, on en parlera ultérieurement. Bon, allez, on a du boulot, messieurs. Donc, on va pouvoir commencer avec le MAG. Après cette journée, le Racing Club d'Abidjan n'a toujours pas gagné de match en Ligue 1. Samedi dernier, l'équipe de Yopougon était face à la Société Omnisport de l'armée au stade Robert Champroux de Marcory. Eh bien, c'est le grand match qu'a suivi Armel Yao et Marco Seri était au montage. Regardez. Vainqueur de la Coupe nationale édition 2023, le Racing Club d'Abidjan peine à lancer sa saison. Un nul et 5 défaites en 6 matchs, les Lions de Yopougon n'ont pas fière allure. Samedi, ils ont encore une fois été tenus en échec. L'adversaire, la Société Omnisport de l'armée, dans le cadre de la 7e journée de la LONACI Ligue 1. Le Racing Club d'Abidjan connaît sa pire entame de saison depuis son accession en Ligue 1. Pour retrouver l'équipe de Yop dans le classement, il faut regarder dans les profondeurs. Une situation qui n'inquiète guère les ultras. C'est très factuel. Aujourd'hui, le Racing traverse une période un peu difficile. Je pense qu'ils ont eu un peu le temps de s'adapter. Vous avez vu, les résultats étaient en notre défaveur, mais le jeu était toujours la faveur du Racing. C'est notre ADN, on a toujours le ballon. Malheureusement, devant, on n'arrive pas à concrétiser. Ben, je pense que la machine va se mettre en marche et vous connaissez très bien le Racing Club d'Abidjan, ça va revenir très fort. On n'est pas découragé, c'est une équipe qui est en train d'être reconstruite jusqu'à dans les phases de retour. On va se ressaisir et puis bon, donner le meilleur de nous-mêmes comme on a l'habitude de le faire. Conscient de la situation, les Lions misent sur la discipline et comptent tout mettre en œuvre pour remporter leur première victoire de la saison. Nous avons préparé la rencontre avec l'intention de gagner ce match. Pas de stratégie ou pas de technique. Le seul objectif qu'on a aujourd'hui, c'est de gagner ce match. On est l'équipe à battre, donc voilà, nous on ne va pas se laisser faire aujourd'hui. Le but c'est de gagner aujourd'hui, donc on va gagner. En face, la Société Omnisport de l'armée. Les Sonja comptent eux aussi renouer avec la victoire après leur match nul face à Zomon FC la journée précédente. La différence se fera surtout tactiquement parce que c'est une équipe qui n'a pas encore gagné depuis le début de la saison. Donc je pense qu'ils vont venir pousser. Et si nous sommes patients, nous pourrons utiliser les failles. Bon, je pense que ça sera un match plein parce que Racing, c'est une équipe académique qui joue bien au ballon. Et nous aussi, on aime bien jouer au ballon, donc je pense qu'on aura une belle rencontre. 15h30, Touré Ben Ali donne le coup d'envoi. Rien à signaler au terme des 45 premières minutes. Aucune des deux équipes ne trouve la faille. Malgré tout, les ultras ne perdent pas espoir. Les enfants ont fait une bonne première période. Et à la deuxième mi-temps, bon, l'attaque fera un effort pour concrétiser un peu quelques occasions pour remporter les 3 points. Je pense que dans la deuxième partie du match, avec les consignes du coach, ils vont revenir plus galvanisés et je pense qu'on pourra conclure les bonnes actions. Il y a des occasions bien prises, mais il n'y a pas quelqu'un pour faire la finition. Les enfants sont bons, mais avec le travail, ça va marcher. La deuxième période est à l'image de la première. Fin du match, les deux équipes se neutralisent. Je suis frustré, beaucoup de frustration parce qu'on a eu la possibilité, on a eu les situations pour marquer au moins un but et je suis frustré qu'on n'a pas pu marquer. Beaucoup de déceptions parce que là on a beaucoup de situations, on domine le match de bout en bout, malheureusement on n'arrive pas à concrétiser nos occasions, voilà, donc en cas c'est comme ça, ça laisse un goût amer. Bah, encore une fois ce que je constate c'est que l'équipe, c'était un match qu'on pourrait gagner, à l'image des autres matchs hein, qu'on a joué auparavant, on a eu le contrôle du jeu, très honnêtement, et comme les matchs précédents, on doit gagner, on ne marque pas, parce que je pense que les gamins sont en proie au doute actuellement, ils sont en train de chercher la bonne position, la position préférentielle pour frapper au but, c'est ce qui nous a manqué. Toujours pas de victoire pour le Racing Club d'Abidjan après cette journée de championnat. Faut-il s'en inquiéter ? Voilà, alors messieurs, comment est-ce que vous expliquez hein, la situation du Racing Club d'Abidjan en ce début de saison, Nasser? Mais il fallait peut-être s'y attendre. C'est une équipe qui a été complètement décimée pendant l'intersaison. Départ de Giré, départ de Bandama, devant de Kanté Abdoulaye l'artificier, derrière Chamou Karaboué, Yann Zebré, ancien défenseur effectivement de la SEC, parti au stade d'Abidjan. Donc, ils ont... Changement d'entraîneur aussi, ici c'est Lazare qui reprend donc un travail, on va dire, à zéro, carrément. Donc je pense qu'il fallait s'y attendre. Après, sur certains matchs, notamment le match face à l'ASEC, ils auraient pu grappiller davantage de points. Ils s'en seraient sortis, par exemple, sur ce match avec un match nul, que ça aurait été mérité pour eux aussi. Voilà, mais c'est normal, quoi. Après, quand vous reprenez tout à zéro comme ça, il faut que les automatismes se créent, il faut que la confiance aussi renaissent au niveau des attaquants. Et puis voilà, on a semblé entendre dans les mots de Cissé Souleymane qu'il manque de confiance, surtout les attaquants, pour concrétiser les occasions. Ils arrivent à faire du jeu. Devant, ça pêche encore. Peut-être que quand ça va commencer à marcher, ben, ça ira mieux. D'accord, Patrick Guité. Ouais, c'est un peu le problème de la Ligue 1, le problème de finisseur. Parce qu'on sait que le Racing Club joue au ballon, c'est jouer au football, une maîtrise collective, une aisance technique. Mais il a dit, Nasser, c'est une équipe qui a été décimée d'au moins 8 titulaires. Il a cité quelques noms, Abdoulaye Kanté notamment, donc, qui était l'attaquant, l'artificier de cette équipe. Il faut dire que depuis l'arrivée de Racing Club, c'est une équipe en Ligue 1, on va le dire, c'est une équipe qui est beaucoup plus forte dans le milieu de terrain. Et quand vous perdez des joueurs, c'est vrai, très jeunes, mais très importantes, tels que Guy Abdoulaye ou Bandama Junior, c'est difficile de retrouver, on va dire, l'osmose au sein donc, de ce milieu de terrain qui aurait dû être tenu par Thibaut Yameogo, qui lui également, dans les derniers moments du mercato, est parti du côté de Isca. Donc, c'est une équipe qui est complètement à reconstruire, recomposer tout simplement et qui doit gagner en confiance. Il faut se rappeler aussi que l'année dernière, le Racing Club a connu également ce coup de mou avant l'arrivée de Brahima Ouattara, qui est venu apporter donc, cette efficacité à cette équipe. Donc, espérons que eh bien, les jeunes de Yopougon reprennent du pas de la bête au fur et à mesure qu'on enchaînera des matchs. Alors, on a entendu hein, dans le reportage ce supporter hein, qui disait, bon, non, c'est factuel, hein, il a l'air plutôt confiant pour la suite hein, de la saison. Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous vous inquiétez hein, pour les hommes de Cissé Souleymane ou pas? Bon, on n'est même pas encore au tiers de la saison et ils ne sont pas totalement décrochés non plus, même s'ils sont derniers au classement avec 2 points. Après, vu ce qu'on voit, ça peut laisser quand même espérer des matchs suivants meilleurs. Voilà, on a dit, hein, il faut qu'ils corrigent peut-être aussi la côté finition, c'est ça, qu'ils reprennent confiance. Et puis, ben, ça devrait suivre quand même. Oui. S'il devrait y avoir de l'inquiétude, c'est vis-à-vis des concurrents directs. Au maintien, on va le dire ainsi. Il y a des clubs tels que Isca, Zoma, etc., etc., qui ont pratiquement le même ADN tout simplement et qui pourrait titiller cette équipe du Racing. Donc il faut très vite reprendre de la confiance, sinon ça deviendrait inquiétant après la 10e journée. D'accord. Allez, on va regarder tous les résultats de cette 7e journée de Ligue 1. Alors le Stade d'Abidjan a battu l'AS Denguele 1-0, 0-0 entre Boaké FC et la FAD, un but partout entre l'Issa Sandra et le FC Mouna, 0-0 entre le FC San Pedro et Isca. Le Stella Club a battu le FC Oza 1-0. Donc 0-0 entre le RCA et la SOA. Zoman FC a battu la SEC Mimosa 1-0. Et enfin, Sol FC a battu le CO Congo 1-0. Alors au classement, la FAD reste solide leader avec 17 points devant le Stade d'Abidjan et l'Issa Sandra. Et puis au bas du tableau, le Racing Club d'Abidjan devient lanterne rouge de la Ligue 1 avec 2 petits points. Et grâce à sa première victoire de la saison, le CO Corogo porte son compteur à 4 points, mais reste toujours relégable. Voilà, allez, on enchaîne maintenant avec la Ligue 2, où l'Africa Sport était face à Yamoussoukro FC ce dimanche, au stade Robert Champroux de Marcory. Que s'est-il passé entre les Aiglons et les Béliers? Eh bien, Eliane Tapé, Armel Yao et Moun nous expliquent tout. Regardez. Que vous doit écouter, c'est la mienne. Laissez à côté les supporters, tout ceci, tout cela, on doit, vous doit écouter ma voix. Suite dimanche, premier gros choc en Ligue 2, dont la poule A. L'affiche, Africa Sport, Yamoussoukro FC. Retrouvailles entre ces deux équipes qui se sont déjà affrontées par le passé. Cette saison, l'un occupe la première place au classement, l'autre est 9e. Présentement, là, nous, on n'a plus d'amusement à faire. Un match, c'est un match. On ne fait pas de faveur à quelqu'un. On est venu sur le terrain pour mouiller le maillot et on va prouver qu'on avait notre place à la Ligue 1. On va battre Yamoussoukro 3-1. Africa! 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 C'est un match qui sera vraiment très tendu. Il n'y a pas d'amitié en matière de football. Voilà, quand on est déjà sur l'aide de jeu, c'est de jouer tous les matchs à fond. Non? Voilà, Africa, on se connaît, ça fait 3 saisons qu'on est presque dans la même poule et les matchs se jouent à fond. Nous souhaitons vraiment que Yamoussoukro gagne ce match. Cette ambiance traduit bien les ambitions des deux protagonistes qui visent la Ligue 1 à l'issue de l'exercice 2024-2025. Désormais, cette affiche passionne. La preuve, avec ce jeune photographe reporter présent dans les tribunes du stade Robert Champroux avec son père. Mon petit aime d'abord la photographie sportive. Quand il y a les mob cross, il m'oblige à aller. C'est lui qui a les programmes, même il me dit non, dans telle ville, ils vont faire mob cross. Donc on fait. Même à Korogo, je l'ai accompagné, il allait faire aussi la même chose. Donc on est venu à Abidjan aujourd'hui à cause de l'équipe de Yamoussoukro pour venir les soutenir et faire les photos de l'ambiance. À 15h30, l'arbitre donne le coup d'envoi. Dès la 4e minute, les Verts et Rouges ouvrent le score grâce à ce but contre 5 ans de Dima Ngora. Avides de victoire, les poulains de Toto Nobile sont sur toutes les balles. Adama Keïta double la mise pour les siens à la 19e. 11 minutes plus tard, les hommes venus de Yamoussoukro se signalent. Alexis Gobi réduit la marque avant que Franck Dohou, dans les ultimes minutes de la première période, ne creuse l'écart pour l'Africa Sport d'Abidjan. 3-1 à la pause. Au retour des vestiaires, les deux formations se rendent coup pour coup. Les Verts et Rouges remportent le duel malgré la réduction du score de Kader Tapé à la 91e minute. Les Aiglons sont aux anges. Il faut dire cette équipe de Yamoussoukro, on a vraiment respecté cette équipe-là. On s'attendait à beaucoup de choses. Vous avez vu, ça c'est un niveau de la Ligue 1 ce soir. Il y avait une très belle équipe en face de nous. on a su négocier pour qu'on puisse avoir cette victoire-là ce soir. C'est une victoire qu'on cherchait depuis le début du championnat. Un match de référence, voilà, face à une bonne équipe de Yamoussoukro FC. Mais voilà, le plus important, on avait à cœur de pouvoir gagner ce match pour pouvoir voilà, continuer sur notre lancée de victoire. Du côté de Yamoussoukro FC, cette défaite est à vite oublier. La chance n'était pas de notre côté. On va prendre ça comme ça. Comme il y a beaucoup de journées encore, on va essayer de se mettre au travail et se revenir encore à notre meilleur niveau. Même si le tableau d'affichage refuse de l'admettre, l'Africa Sport enchaîne sa 3e victoire d'affilée et fait une remontée au classement. Yamoussoukro FC reste leader du groupe A malgré cette déconvenue. Et Nasser, je suis très contente de vous voir sourire comme ça quand vous voyez de belles images. Bon, alors c'est vrai qu'on s'attendait à voir une équipe de l'Africa un petit peu démotivée avec tout ce qui s'est passé à l'intersaison, hein, mais c'est le contraire qui se produit. 3 victoires en autant de matchs. Quelle analyse faites-vous de ce début de saison de la part des Aiglons, Patrick Guitté? La sérénité, beaucoup plus de sérénité, et ça vient forcément de la direction, donc du président qui est calme, serein, mais surtout de Toto Nobile. Ça change de ce qu'on a eu la saison dernière. Alors, ce n'est pas une critique, hein, c'est juste pour dire que c'était 2 personnalités différentes. C'est Mariotti qui était un peu bouillant, donc il transmettait peut-être un peu trop de pression, un peu trop d'envie à ses joueurs. Aujourd'hui, Toto Nobile, on l'a vu dans l'élément, dans les vestiaires, il a demandé à ses joueurs de l'écouter, lui, de le suivre, lui, de regarder sa sérénité. Et sur le banc, il est super serein, et ses joueurs également le sont avec un système qui est mis en place. En fait, on joue en bloc bas et puis on contre tout simplement parce que l'Africa, aujourd'hui, comme le supporter l'a dit, ils ne sont pas venus pour s'amuser, c'est pour engranger des points pour remonter tout simplement en Ligue 1. Nasser? Oui, bon, il y a un adage ivoirien qui dit que le cabrimon n'a plus peur de couteau. Donc l'Africa aujourd'hui, franchement, on ne peut pas connaître pire. Bon, si, il y a la D3 après, mais bon, non, l'Africa ne va pas tomber jusque-là. Mais je veux dire, de ce que ce club-là connaît aujourd'hui et a connu, ce par quoi ce club est passé et ce qu'il a traversé, il ne peut pas connaître pire, franchement, vu les forces en présence. Donc, c'est normal que les joueurs soient libérés. De toute façon, ils n'ont plus rien à perdre. Voilà, il faut jouer aujourd'hui. Le vin a été tiré. Ils sont en train de le boire. Ils font le job pour pouvoir venir en Ligue 1. Là, ils marquent un grand coup, quand même, face à celui que l'on vend comme l'adversaire direct, avec qui il y aura le mano à mano pour la montée. Ils ont 4 matchs en retard. Ils ont l'occasion, s'ils les remportent, de passer devant Yamoussoukro FC. Donc, c'est un grand coup qu'ils ont réalisé. Et justement, hein, en parlant de Yamoussoukro, un mot sur cette équipe qui, effectivement, nourrit de grandes ambitions, mais qui, chaque année, rate le coche de la montée. Absolument. C'est au niveau de... Sur ce match, en tout cas, c'est au niveau de la finition, tout simplement. Et puis, il y a cette erreur... Gros texte, enfin, du gardien à ce niveau-là, ce contrôle se mêle, il n'y a pas assez de sécurité alors qu'il devait prendre l'intérieur du pied, il essaie de la prendre se mêle. Mais c'est une équipe joueuse qui a donné du fil à retordre à l'Africa. Il faut rappeler que la saison dernière, sensiblement à la même période, l'Africa avait affronté Yamoussoukro et l'avait déjà battu. Donc il y avait un sentiment de revanche également au niveau des béliers qui n'ont pas su concrétiser leurs occasions, qui n'ont pas su concrétiser leur maîtrise collective. Et c'est ça la marque des grandes équipes, c'est-à-dire ne pas être très bonne, mais marquer des buts, parce que c'est ça qui est le plus important à ce moment précis. Mais attention, voilà, tout de même, il faut prendre tout ce qui arrive avec des pincettes. On est qu'au début de la saison. Je rappelle que la saison passée, l'Africa avait battu Isca en aller-retour sur les 2 matchs. La suite, on la connaît. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, on n'oublie pas quand même qu'il y a 4 matchs en retard. Aussi, oui, je l'ai dit, je l'ai souligné, effectivement. Donc, on verra bien. C'est ça. Allez, on va regarder les résultats et le classement de cette 7e journée de Ligue 2. Et on commence par la poule A. L'Anfiara a battu Agir Guibérois 1-0. Nul vierge entre le WAC et Issiawazi, et puis entre le S Issia et le S Boaké. Donkov a battu les FIM 1-0. Le SAC Beauville a battu Benjerville 3-1. 2 partout entre la DFK et la ZAB Gourou. Et enfin, l'Africa Sport a battu Yamoussoukro FC 3-2. Et dans la poule B, leader SC a battu le CO Boisflé 2-0. Gagnois a battu Aboisso 1-0. 1-1 entre le CO Esport et Adiaké. US Tchologo a battu l'US Fermier 1-0. Songo FC a battu l'AS Divo 3-1. L'AS Standard s'est imposé face à Sirocco FC 2-1. Et enfin, l'US Bafing tout bas a battu l'USC Bassam 2-0. Et au classement, dans la poule A, malgré sa défaite, hein, donc Yamoussoukro FC reste leader de cette poule A, au coude à coude avec l'Espérance sportive. L'Espérance d'Issia est troisième avec 11 points. Et au bas du tableau, c'est Issia Ouazi qui ferme la marche avec 2 points au compteur. Et enfin, dans la poule B, le Sporting Club de Gagnoa devient le nouveau leader avec 17 points devant l'US Thiologo et la RFC Aboisseau. Le Sirocco FC est lanterne rouge avec un seul petit point. Voilà. Allez, on vous laisse apprécier donc la fin de ce classement. Allez, on va passer à autre chose maintenant, des nouvelles des sportifs ivoiriens à l'étranger. Eh bien, c'est dans le Thermopro d'Alex Payne avec Marco Seri au montage. La richesse des talents ivoiriens engendre du spectacle tous les week-ends. À quoi avons-nous eu droit? Un long chapitre football, le point des meilleures performances dans le Thermopro. Débutons notre tour d'horizon par l'Angleterre, où Bayo Vakoun a retenti comme un coup de tonnerre. Samedi, l'attaquant de Watford s'est offert un quadruplé au terme du festival offensif de son équipe, 6-2 face à Sheffield Wednesday en Championship. L'Ivoirien met fin à une série de 17 et totalise 5 réalisations cette saison. Direction la France, toujours éclatant comme le soleil, Evan Guesson était l'unique buteur du match entre l'OGC Nice et le Stade Brestois samedi en Ligue 1. 6 buts cette saison, c'est son bilan dans l'élite française. Dans le même championnat, Jean-Eudes Aoulou a lui aussi signé une performance XXL. Le milieu de terrain du SCO Angers s'est délecté de ce bijou face à Monaco vendredi. 1-0 en faveur des siens. Inarrêtable à l'AJOCR, Junior Traoré s'est fait remarquer à nouveau comme la pleine lune. Sur cette passe limpide, il a trouvé son partenaire pour la finition. Son club s'est imposé 4-0 contre le Stade Rennais. La Ligue 2, toujours en France, Jean-Philippe Crasso n'a pas voulu se faire compter le Thermopro puisqu'il a inscrit ce but pour Paris FC qui a arraché vendredi le point du nul face à Rodez, 3-3. Enfin, regardez qui refait surface. Jonathan Kodja, 35 ans, a inscrit son 2e but de la saison sous les couleurs du FC Versailles en 3e division française. Succès 3-1 face à Villefranche-Beaujolais. Et messieurs, c'est le moment de passer à vos toflos, vos tops et vos flops. Allez, on commence avec vous, Nasser. Top, il n'a pas été évoqué dans le reportage, mais Béni Traoré. Quand même, qui est en véritable rédemption cette saison du côté de Bâle. Il semble avoir enfin trouvé son rythme après ses passages difficiles à Sheffield et à Nantes la saison passée. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive ce week-end lors de la victoire 5-0 de son club. Et il est à 5 buts, quand même 3 passes décisives depuis le début de la saison. Il est en forme pour le plus grand bonheur d'Emerse Faé. Et flops, le flop. Là, ben, c'est pas pour le plus grand bonheur, malheureusement, d'Emerse Faé. J'ai mis Oumar Diakité et toute la colonie, même d'ailleurs ivoirienne de Reims. Je pense qu'hier, sur le 11 titulaire du côté de Reims, près de la moitié de l'équipe était ivoirienne. Ils ont enchaîné leur 3e défaite. Oumar Diakité n'a pas marqué de but. Lui qui joue en pointe, on le rappelle, dans cette équipe, n'a pas marqué de but depuis 1 mois maintenant et 3 matchs. Donc, attention. Et vous vous inquiétez? Oui, mais ça va aller. Donc on sait qu'il y a une trêve internationale bientôt. On a bien compris. Toflo pour vous, Patrick Guité. Alors, j'ai 2 taux qui ont été évoqués dans l'élément. Le premier, c'est bien évidemment Bayo Vakoun, qui depuis août dernier n'avait inscrit qu'un seul but. Et là, il semble avoir rattrapé le temps perdu avec ce quadruplé. Il fait un clin d'œil également à Emerse Faé, parce qu'on a besoin, au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire, de buteurs, d'efficacité, même si lui, Bayo Vakoun, je pense qu'il est tout petit peu inconstant, mais j'espère qu'avec ces 4 buts-là, ben, il pourra retrouver tout simplement sa vitesse de croisière, parce que ben, depuis 2019 qu'il n'est pas arrivé en sélection, et là, d'ailleurs, c'était en U23. Et Le deuxième, c'est Guesson. C'est Guesson qui aurait pu être abattu par son dernier passage avec les éléphants de Côte d'Ivoire, mais dès son retour à Nice, c'est 4 matchs, 3 buts inscrits. Il est à l'aise au front donc de l'attaque niçoise. C'est un buteur. Moi, j'ai confiance en lui, tout comme Emerse Faé garde cette confiance-là. Moi, je pense que c'est un attaquant en qui il faut croire et à qui il faut donner à chaque fois sa chance, parce que quand ça va passer avec les éléphants, je pense que ça sera une flopée de buts. Ça va s'enchaîner. Ah, absolument. Mais il faut que ça se déclenche. Ah, il faut que ça se déclenche. Il faut que ça se déclenche et j'espère que ça sera ou face à la Zambie, surtout face à la Zambie et face au Tchad prochainement. Absolument. Maintenant, pour le flow, je ne pense pas véritablement que ça soit un flow, mais c'est peut-être de dire prompt rétablissement à Sébastien Alain, qui ne va pas très bien physiquement avec les Ghanais. On espère qu'il retrouvera la plénitude de son physique et qu'il reviendra au niveau où on l'attend, parce que ça devient inquiétant pour lui, tout simplement. D'accord, très bien. Allez, fin de la première partie de cette émission. On va marquer une toute petite pause. Et juste après, bon, ben, il y a encore plein de sujets à vous proposer. Un entretien avec Guy Stéphane Bédie. On aura un Inside Basketball. Et puis, tout à l'heure, le débat sur le Ballon d'Or. Allez, restez avec nous. On revient dans quelques instants. Et nous sommes de retour sur le plateau de NCI Sport. Et oui, c'est la deuxième partie de l'émission, toujours en compagnie de nos consultants du soir, Nasser Eddy et Patrick Guité. Alors, messieurs, ben, on va enchaîner et on va poursuivre avec l'entretien de ce soir. À l'occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025, Guy Stéphane Bédie a connu sa première sélection chez les éléphants. L'attaquant du FC San Pedro raconte sa première en équipe nationale dans cet entretien qu'il nous a accordé. Et c'était au micro d'Yves Borisvet, Armel Yao et Marco Seri. Meilleur buteur de la Ligue 1 la saison dernière, Guy Stéphane Bédie a connu sa première convocation en équipe nationale lors de la récente fenêtre des éliminatoires de la CAN 2025. Comment a-t-il vécu ce moment? L'attaquant du FC San Pedro se confie. Le capot canonnier du championnat ivoirien, comment ça va? Ça va, merci, ça va et toi? Ça va? Ça va, super. Et l'entraînement, c'était comment? Tranquille, léger aujourd'hui, ça va. D'accord. Bon, on est venu te voir. Bah, au plaisir. On va s'entretenir là? Il n'y a pas de souci. Tu as connu ta première sélection avec l'équipe nationale récemment. Comment as-tu appris la nouvelle? Je crois que nous étions à San Pedro. On avait un match le dimanche. Donc voilà, il y a le coordinateur du club, M. Lasso, qui m'appelle, qui me dit « Steph, après le match, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ». Je dis bah, « Président, vas-y, dites-le moi en même temps parce que moi, je suis pas trop fier des surprises ». Et voilà, il me dit bah, « Juste après le match ». Je dis « Ok, bah, on joue le match, on perd malheureusement 2-1 ». Donc je suis pas très bien, je suis pas très content. Et quand on rentre en cité, il me dit bah, « Écoute, il y a le sélectionneur qui a appelé, il y a son adjoint qui a appelé, M. Emerse Faé, M. Guy Demel et après Alain Guaméli. Donc voilà, ils vont te convoquer en équipe nationale ». Je lui ai dit, c'est pas le moment pour les blagues, c'est pas le moment pour les blagues, il faut patienter un peu parce que là, je suis pas d'humeur. Il a dit, oui, sérieusement et tout. Je n'en revenais pas, mais voilà, dans la foulée, c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'ai pas vraiment pu dormir parce que ça me remontait. Il y avait beaucoup de souvenirs qui revenaient et voilà, j'avais à peine du mal à croire. Quelle a été la réaction de ta famille et de tes proches lorsqu'ils ont su, quand ils ont appris la nouvelle que tu t'es convoqué en équipe nationale? Bah, ils étaient très heureux, forcément, ils étaient très heureux. Mais le même jour, je ne leur ai pas dit. J'ai préféré attendre d'abord que les choses soient officielles. Mais j'ai quand même mis mon épouse dans la confidence. Elle aussi, elle n'a pas pu dormir, bien évidemment, elle n'en revenait pas. Et voilà, après, quand ça a été officiel, mon père m'a appelé, ma mère, mes frères et sœurs, c'était une joie énorme. C'était une joie énorme, presque qu'un sentiment d'aboutissement. Comment tu as été accueilli par le groupe? D'abord, quand je suis arrivé à l'hôtel, il y a les vigiles qui m'ont dit « Monsieur, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas rentrer parce que l'hôtel est privatisé ». J'ai dit « Mais je fais partie des éléphants ». Ils ont dit « Ah bon, comment vous appelez ?» J'ai dit « Je m'appelle Bédie ». Et ils ont dit bah, « Est-ce que vous pouvez appeler quelqu'un ?» Donc j'appelle le sélectionneur et le sélectionneur, il leur dit comme ça que « Ah mais c'est Bédie, c'est celui qui vient remplacer Seb à l'heure ». Donc vous pouvez les laisser rentrer. Ils ont dit, ah monsieur, excusez-nous, désolé et tout. J'ai dit, ouais, moi-même ça me surprend aussi, donc c'est pas bien grave. Et voilà, quand je suis arrivé, bien évidemment, j'ai été très bien accueilli. L'équipe nationale, pour moi, c'est presque un cocon familial. Où voilà, c'est comme il y a une grosse familiarité, un très bel état d'esprit qui règne en son sein. Donc bien évidemment, j'ai été très bien accueilli, d'autant plus que l'intégration a été plus facile vu qu'il y avait certains joueurs avec qui j'avais pu jouer auparavant, dont Jean-Yves Kouassi, Franck Kessié, voilà, Manu Agbadou que je connaissais, Diakité Ouma que je connaissais, donc bien évidemment ça a été beaucoup plus facile. Stéphane, la Côte d'Ivoire joue 2 matchs face à la Sierra Leone, en aller et en retour. Malheureusement, tu n'as joué aucun des 2 matchs. Est-ce que tu es déçu? Non, je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu, bien au contraire, il faut faire preuve d'humilité. Bien sûr, quand on est un compétiteur, on a envie de jouer. J'avais vraiment envie de jouer, j'avais envie de montrer ce que je pouvais apporter à la sélection. Mais en même temps, il y a une certaine intégration, il faut voir comment les choses se présentent, comment ça fonctionne. Et voilà, j'ai eu le temps de pouvoir, pendant ce temps-là, voir comment l'équipe évoluait au sein du groupe, sur le terrain, en dehors. Donc, bien évidemment, pour moi, c'est un processus et voilà, je ne suis pas déçu, je suis heureux. Heureux d'une part de faire partie du groupe, mais voilà, l'objectif premier, c'est pas de faire partie du groupe, c'est d'être important pour le groupe. Mais voilà, il va falloir savoir rentrer aussi et surtout, comme je l'ai dit, faire preuve d'humilité. Qu'est-ce que cette convocation en équipe nationale représente pour toi, surtout pour ta carrière? Être le seul local parmi des gens qui évoluent dans les plus grands championnats du monde, effectivement, c'est presque un aboutissement dans la mesure où je pense que je peux, avec humilité, beaucoup apporter à cette sélection. Donc voilà, c'est un pas de franchi, mais c'est quand même très bon pour la confiance, pour le moral et voilà pour la suite des choses. Comment tu as été accueilli par tes coéquipiers en club? Bah, c'était émouvant. L'accueil a été émouvant parce que je sentais déjà la fierté dans le regard de chacun. Je sentais la joie et puis l'espoir aussi dans le regard de chacun. Il y a une aide d'honneur où on m'a applaudi. C'est quelque chose qui m'a donné des frissons parce que je sais que ça a permis à mes coéquipiers de croire. Il y a le CHAN qui arrive très bientôt. Est-ce que c'est un challenge important pour toi? Bien sûr, c'est un challenge important, d'autant plus que c'est la nation qui est engagée. Donc pour moi, pour les Ivoiriens, pour le football ivoirien, oui, c'est un challenge important et c'est quelque chose que je prends avec beaucoup de considération. Stéphane Bédie, avec ton passage en équipe nationale, aujourd'hui tu deviens un exemple pour tous ces footballeurs qui évoluent dans le championnat local. Quel est le message que tu veux leur adresser? Bah, il est simple, il faut continuer de bosser. Il faut continuer de travailler, il faut continuer de croire en ses rêves. Vous savez, les efforts, c'est nous, mais la récompense, c'est Dieu. Stéphane Bédie, merci beaucoup. Merci à vous. Alors Nasser Eddy, qu'est-ce que vous retenez de cet entretien avec Guy Stéphane Bédie? Son état d'esprit, ouais. Sa maturité également qu'il laisse entrevoir à travers cette interview. Surtout l'anecdote sur son arrivée à l'hôtel des éléphants, franchement, ce qui aurait pu passer pour un scandale, il aurait pu, honnêtement, et moi j'aurais compris qu'il puisse s'énerver, que ça puisse l'agacer. Bon, il nous dit, hein, on n'était pas là le jour où ça s'est passé, mais il l'a pris voilà, avec philosophie. Et vaut mieux en rire finalement, parce qu'au final, franchement, c'est un scandale ce qui est arrivé. Il l'a pris d'une certaine manière et moi, j'apprécie beaucoup son état d'esprit. D'accord. Patrick Guitté. Oui, il découvre l'équipe A, mais il ne découvre pas la sélection, tout simplement, parce qu'il a évolué dans les sélections de jeunes avec certains qu'il a revus en équipe nationale A. Moi, j'apprécie, comme Nasser, son état d'esprit, le fait qu'il ait pris... cette anecdote-là avec beaucoup plus donc, de philosophie, mais surtout le fait que ça soit quelqu'un qui ait confiance en ses qualités et qui ne soit pas venu là juste pour une seule fois. Il a envie de revenir, mais pour y revenir, il faut des performances, même si sa convocation, parce qu'il n'a pas encore de sélection, il a été convoqué, il n'a pas joué. Voilà, reposait sur l'absence de certains cadres au niveau donc, de l'attaque. On espère que ce n'était pas qu'un coup d'essai donc, aux yeux d'Emerse Faé. Eh bien justement, merci pour cette belle passe. C'était ma prochaine question. Vous le voyez dans le groupe lors de la prochaine trêve internationale? Bah, on n'a pas de très bonnes nouvelles côté physique pour Sébastien. Alors, on en parlait tout à l'heure. Donc peut-être qu'il pourrait en profiter comme ça a été le cas lors de la dernière trêve. Mais une chose est sûre, il fait partie maintenant de ce large groupe-là des éléphants. Donc, il doit se tenir prêt et à tout moment être apte à répondre à une convocation. Absolument. Moi, je pense qu'il a sa place aujourd'hui en équipe nationale de Côte d'Ivoire, en l'absence de Sébastien Alain, parce qu'il va rester Crasso, pour ma part, hein, Crasso et Guesson. Parce que pour moi, Diakité Oumar n'est pas un numéro 9, n'est pas un avant-centre. Alors là, c'est une adresse pardon, à Emerse Faé, c'est un joueur de côté. Donc lui, Bédie, est un joueur de surface. Il pourrait, pourquoi pas, rendre beaucoup de services aux éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord, bah, très bien. Allez, on va poursuivre hein, avec du basketball maintenant. Oui, du 21 au 24 octobre a eu lieu au Palais des Sports de Trècheville la 4e édition de FIBA Africa Regional Youth Camp. Ce stage a regroupé de jeunes basketteuses hein, âgées de 12 à 16 ans, venues de 22 pays d'Afrique. Objectif, eh bien, leur inculquer les techniques approfondies du basketball. Yves Borisvet, Armel Yao, Hervé Kiessé et Moon eh bien, nous font, nous replongent dans ce camp. Regardez. Programme d'élite pour le développement des meilleurs jeunes prospects africains, FIBA Africa Regional Youth Camp se veut être un incubateur de talents. C'est une quarantaine de joueuses qui prennent part à cette session. Nous effectuons une plongée au cœur de ce camp. Let's go! C'est vraiment impressionnant ce que vous êtes en train de faire. This is fantastic. All right. 2 more stations. On a encore 2 stations encore. Je veux voir que vous donniez à fond. I want to see super hard work at these 2 stations. 2 more. Let's work. Come on, let's go. All right, let's go. Bien, bien, good. La composition du camp, on fait un peu un travail plutôt technique, individuel et collectif. Les matinées et les après-midi, on fait des matchs où les enfants ou les joueuses ont une opportunité d'appliquer ce qu'ils ont appris. Le facteur femme est très, très important pour nous, pour la FIBA, afin de développer le basket féminin aussi. Et ces filles-là, ils sont en train de répondre avec leur travail dur, leur enthousiasme, et on est vraiment contents. Nos objectifs, c'est un sur 2 volets qu'on trouve très importants. Le volet joueuse, jeune joueuse, on aimerait bien leur donner des capacités techniques à développer, et les coachs. On aimerait bien leur donner des astuces, des manières de faire qu'elles puissent ramener avec elles, chez eux, dans leur pays, et éventuellement développer le basket africain. Africa! Tu prends des notes? Oui. Alors, hein, chez toi, c'est bien. On prend des notes. Je prends des notes, moi, et il y a les filles qui filment et m'envoient sur WhatsApp. C'est excellent. Je suis très fière d'avoir été choisie parmi les coachs de Côte d'Ivoire. Et surtout que moi, je viens à peine de commencer mon affaire de coaching. Mais très bonne initiative. Et on a des coachs qui sont là, qui sont formidables, qui nous donnent encore des connaissances. Et voilà, ça nous va bien. Ce camp, c'est le 4e camp. C'est organisé par la FIBA Afrique. On est là, on était bien accueillis. Et on est en train de passer des jours vraiment excellents, d'apprendre des nouvelles choses. Ça se passe très bien. Tout le monde est en plein travail. On est là pour ces filles et on est là pour nous-mêmes. C'est pas facile, vu qu'elles sont très jeunes encore. Donc, il faut tout le temps crier. Il y a d'autres qui sont nonchalantes. Il y a d'autres qui sont un peu, comme on le dit, ailleurs. Elles sont en train de s'amuser. Mais c'est à nous de pouvoir les regrouper pour qu'elles puissent se concentrer. Comment se passe votre séjour dans ce camp organisé par FIBA Afrique? Mon séjour se passe plutôt bien. Je suis à l'aise avec les autres joueuses et j'apprends beaucoup de choses. Comment faire des rebonds, comment mieux défendre et attaquer, comment me placer sur le terrain, et j'ai amélioré mon shoot. C'est très bien, il y a une belle ambiance, les coachs, le groupe, les entraîneurs et tout. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Je pense que cette initiative est bonne parce que ça va nous permettre d'améliorer notre niveau en basketball, et s'il y a l'opportunité, on sera intégré dans l'académie NBN pour perfectionner notre basketball. Ah, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, ça. Mais nous y reviendrons dans une prochaine édition. Vous ne me croyez pas, j'ai une grande basketteuse. Allez-y, c'est ça. Allez-y au bout de vos idées et de votre témoignage. Nous en reparlerons dans une prochaine édition. Merci. Bon, parlons justement de ce Youth Camp. Hein. Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, de cette initiative? C'est toujours intéressant de voir que la jeunesse est occupée par le sport. Et là, ça fait partie de la formation aussi, c'est l'avenir forcément du basket, en l'occurrence là féminin, là où on parle de plus en plus d'essor de sport féminin, pas qu'au basket. Donc c'est pour ma part intéressant, c'est une belle expérience pour ces jeunes filles-là qui pourront peut-être, pour certaines, embrasser une carrière professionnelle au basket plus tard. Oui, la promotion du genre, c'est également un cheval de bataille de FIBA, tout simplement, pour aider ces filles-là à aiguiser leur flamme donc, pour le basketball. Et puis très heureux de retrouver des anciennes. Aujourd'hui, Christiane Ngassané, c'est vrai, mais Mariama Kouyaté également, qui a connu la formation au CSA, qui aujourd'hui est en train de transmettre son savoir à ces jeunes filles-là. C'est une très, très, très bonne initiative. Après, moi, ma doléance ou ma proposition à FIBA, ce serait d'étendre cette formation lorsque FIBA visite certains pays, mais d'étendre cette formation-là à des locaux ou des locales pour parler des basketteuses au féminin, tout simplement, pour leur permettre également eh bien, de déguiser, je l'ai dit, leur amour, leur passion pour cette discipline. Pas que ça reste qu'au niveau des expatriés un tout petit peu, parce que ce sont des talents qui sont issus un peu de plusieurs pays africains. C'est ça, 22 pays africains, exactement. Alors, quand on sait qu'à l'issue de ce camp, les meilleurs jeunes vont intégrer les camps de la NBA, hein, finalement, alors, avec la balle, est-ce que la NBA n'est pas en train de faire, on va dire, de gros appels de phare quand même hein, au basketball africain? Absolument. C'est vrai que la NBA fait du business, ça c'est sûr. Ils viennent former des jeunes pour espérer les avoir, pourquoi pas en NBA, avec des agents qui vont tourner autour. Mais ça permet également aux pays africains de se développer, de savoir qu'il y a du potentiel et qu'il faut investir et travailler à la formation pour permettre d'avoir des championnats assez intéressants. Parce que tout le monde n'ira pas en NBA, tout le monde n'ira pas en France ni en Espagne. Il y aura forcément une crème qui restera en Côte d'Ivoire. Il va falloir l'entretenir pour avoir des championnats beaucoup plus relevés. Oui, après, je pense que la NBA aussi a flairé le coût qu'il peut y avoir en Afrique. Quand on voit les Africains qui ont explosé au niveau de la NBA, Embiid, même si c'est vrai qu'il joue avec les États-Unis, mais Embiid, Mobamba et j'en passe, ils se disent... Il y a du talent, il y a de la matière, de ce côté-là. Il faut aller fouiner davantage et c'est ce qu'ils font. Bah absolument, il y a de la matière. On parle des dames, parce que là, pour le coup, c'est la promotion du genre. Mais au-delà donc des dames, vous avez également des jeunes qui sont exceptionnels. On le voit avec la balle, tout simplement. Des jeunes qui sont intégrés dans les différents clubs, qui ont du talent et qui, demain, pourquoi pas, pourront intégrer de très grands championnats européens ou américains. Mais moi, mon truc, c'est qu'il faut que ces jeunes-là puissent faire briller les différents championnats locaux pour leur donner un peu plus de visibilité. Ça. On peut espérer voir de jeunes Ivoiriennes, pourquoi pas, en WNBA. Absolument, pourquoi pas. Ouais, et grâce à ce genre de camp, justement. Absolument, absolument. On a connu des Ivoiriennes, mais bon, elle est canadienne. Elle s'appelle, comment déjà, elle est canadienne, elle est venue en Laetitia Améré, qui est canadienne, mais qui est d'origine ivoirienne, qui joue en WNBA. Pourquoi pas, eh bien, regardez, à ce niveau-là, pour... avoir un repère, tout simplement, pour leur permettre de progresser. D'accord, très bien. Allez, on va marquer une nouvelle pause hein, et juste après la pub, eh bien, on passera au débat de ce soir. Oui, et vous savez hein, sur quoi il va porter ce débat. Eh bien, ce sera autour du Ballon d'Or. Voilà, on va parler de ce Ballon d'Or tant controversé. Ce sera juste après la pub, donc restez avec nous, on revient dans quelques instants. Allez, c'est l'heure de la troisième et dernière partie hein, de ce numéro de NCI Sport. Et le lundi dernier, Rodrigo Hernandez Cascante dit Rodri a remporté le Ballon d'Or France Football 2024. Vous avez pu suivre hein, la cérémonie en direct et en exclusivité sur NCI. Mais le sacre du milieu espagnol est contesté par une partie du public et des observateurs. En effet, le joueur de Manchester City est arrivé en tête des votes devant Vinícius Junior, le grand favori de cette édition. Certains crient au scandale, quand d'autres saluent la victoire du football. Eh bien, le Ballon d'Or a-t-il perdu toute crédibilité? C'est le thème du débat de ce jour. Et pour en parler, eh bien, en plus hein, de nos consultants Nasser Eddy et Patrick Guité, nous accueillons sur ce plateau le journaliste de sport Guillaume Aoutouf qui est avec nous ce soir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Thia. Comment allez-vous? Ça va, merci. Jolie veste, hein, merci, au passage. Merci. Merci. D'accord. Allez, parlons de choses très sérieuses. Oui, le Ballon d'Or hein, qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre. Alors messieurs, la première question hein, que je vais vous poser ce soir, c'est la suivante. Vinícius, Rodri... Alors, imaginons hein, que vous puissiez voter. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Hein. Imaginons que vous puissiez voter. Vous votez pour qui entre les deux? Nasser. Ah, question difficile et piège. J'aurais pu voter pour les deux. Non, bah non. Honnêtement. Ah, bah non. Mais non, c'est pour vous dire que j'aurais pu naturellement voter pour Vinícius. J'aurais pu. Après, ça reste, quoi qu'on veuille le rendre objectif, ça reste une élection donc, qui est basée sur un ressentiment, aussi sur des stats, mais aussi sur un ressentiment. Et donc, il y a toujours cette part de subjectivité là. C'est pour ça que je vous dis qu'en fonction du feeling du moment, de beaucoup de choses qui pourraient entrer en ligne de compte, j'aurais pu voter pour Rodri comme pour Vinícius. Bon, vous ne vous êtes pas mouillé, là. Là, ça ne m'arrange pas, hein, cette histoire. Guillaume Aoutouf. Alors, les yeux fermés, j'aurais choisi Rodri. D'accord. Ah oui, parce que je trouvais que le garçon, il n'est pas glamour comme on le veut pour ce qui est des attaquants. Mais c'est un garçon, moi, qui m'impressionne beaucoup, de par sa tranquillité, de par son activité dans les équipes dans lesquelles il évolue à Manchester City, et surtout avec la aura qu'il a portée de bout de bras. C'est vrai, il y a des garçons comme Lamine Yamal, Olmo, mais c'était lui le tampon entre la défense et l'attaque. C'est celui qui était capable de faire accélérer le jeu quand il le fallait. C'est celui aussi qui était capable de temporiser quand il le fallait. Et je pense que son titre de meilleur joueur de l'Euro est là pour justifier toute son activité, tout ce qu'il a pu apporter à cette équipe jeune de l'Aurora pour aller chercher cette Coupe d'Europe. Donc pour moi, il fait un beau champion, il fait un très beau Ballon d'Or, n'en déplaise à ceux qui auraient souhaité que ce soit Vinícius Junior. En tout cas, moi, les yeux fermés, j'aurais choisi Rodri. Alors Thia, on oublie très souvent que c'est un trio. Qu'il y avait Vinícius, c'est vrai, il y avait Rodri, mais il y avait également Jude Bellingham, et que Jude Bellingham également a remporté les trophées remportés par Vinícius. Alors, si je devais voter, peut-être que mon cœur allait balancer entre Jude Bellingham et Rodri, mais il ne faut pas oublier que le jeune international anglais a également participé au grand succès du Real Madrid, j'allais dire le FC Barcelone, du Real Madrid. Il faut rappeler qu'il a été désigné meilleur joueur du Real de Madrid, ça aussi, il ne faut pas l'oublier, devant Vinícius. Il faut dire également qu'il a été meilleur buteur au niveau de la Liga du Real de Madrid, devant Vinícius. Donc, lui également méritait. Alors moi, je ne comprends pas la cristallisation du débat autour de Vinícius quand on sait le travail que Jude Bellingham également a réalisé. D'accord. Bon, honnêtement, hein, messieurs, est-ce que vous avez été surpris hein, par le sacre de Rodri? Non, surpris, non. Parce que, comme je l'ai dit, et d'ailleurs, je n'arrive même pas, moi, aujourd'hui, à véritablement faire le choix de pour qui j'aurais voté. C'est extrêmement serré. C'était serré. Et d'ailleurs, Patrick en a rajouté un troisième. Donc, entre les trois, vraiment, ça se tient par-ci, ça se lâche par-là. Donc, c'était vraiment serré. Je ne suis pas surpris plus que ça. Les deux autres auraient pu aussi le gagner, que ça n'aurait pas été un véritable scandale pour moi, mais que Rodri l'ait gagné, c'est très, très loin d'être un scandale. Mais alors là, très, très loin. Mm-hmm. Ouais, vous êtes d'accord, messieurs? Oui. Oui, bon, vous, absolument, vous auriez voté pour lui. Comme je le dis, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que, contrairement aux années précédentes où le vainqueur est connu et il va faire des séances de shooting avec les organisateurs pour préparer le journal du lendemain et tout ça, cette année, il n'y avait rien qui a filtré. Mm-hmm. Et donc, personne ne savait qui allait gagner. Mm-hmm. Après, je pense que du côté du Real Madrid, on a donné un peu, je ne dirais pas dans l'intox, mais c'est tout comme pour vraiment amener tout le monde à penser que le vainqueur, ce serait Vinícius. Et lui-même, il s'est plié au jeu en disant aux joueurs du Barça, voilà, et moi, lundi, je vais prendre mon trophée. Mais là, on apprend que depuis le vendredi, Florentino Pérez, lui, savait que son joueur n'allait pas être primé. Mm-hmm. Mais il n'a pas voulu le lui dire parce que, bon, il y avait le Classico derrière le samedi, et donc il fallait laisser Vinícius dans le doute et tout ça. Et bon, mm-hmm. voilà, et lundi, c'était pas finalement joli. Moi, j'ai été un petit peu surpris hein, quand même. Hein. Alors, par quoi? Par le sacre de Rodri? Absolument. Allez-y. Pourquoi? Parce que, déjà, ce sont des journalistes qui votent. 100 journalistes. Et la presse, pratiquement mondiale, avait déjà donné le ballon d'or à Vinícius, mm-hmm. avait déjà attribué le ballon d'or par les écrits, par la promotion qui est faite, par la grande confiance également du Real Madrid et de Vinícius lui-même. Et quand, après, c'est vrai que dans l'enchaînement des événements, on apprend que le Real ne viendra pas, on apprend que les joueurs du Real ne viendront pas. Donc, petit à petit, eh bien, le choix de Rodri devient quasiment évident. Mais avant ce lundi-là, je vous assure que si on m'avait dit que ça allait être Rodri le ballon d'or, mmh. j'aurais été très, très surpris. D'accord. On va revenir hein, sur l'absence du Real dans quelques instants. Mais avant cela, moi, je voudrais qu'on regarde quand même quelques chiffres, hein, les stats des deux joueurs, donc Rodri et Vinícius Junior. Et en regardant ces chiffres, vous allez me dire... Qui, selon vous, donc lequel, selon vous, a réalisé la meilleure saison? Voilà, on voit Rodri. Hein. Rodri, ce sont 64 matchs, oui. 12 buts, oui. 15 passes décisives. Voilà. Allez-y, regardez son palmarès. Palmarès 2023 mm-hmm. avec la Première Ligue, l'Euro 2024 et les meilleurs joueurs donc, de l'Euro 2024. On a même voilà. oublié la Coupe du Monde des clubs qu'il a également remportée. Donc ça, c'est avec le club de Manchester City. Absolument. On va regarder les chiffres hein, de Vinícius Junior également, qui sont aussi pas mal, qui sont affolants même. Je vous laisse les annoncer. Oui, avec 49 matchs, 26 buts, 13 passes décisives, vainqueur de la Ligue des Champions, meilleur joueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Super Coupe d'Europe et champion d'Espagne. Voilà. Mmh. Donc, quand on regarde hein, justement tous ces chiffres et ce palmarès, lequel des deux a réalisé la meilleure saison selon vous? Mais là où je reviens à dire encore que c'est difficile, c'est que là, quand vous regardez ces stats, mais les stats de Rodri, Rodri est un milieu défensif. Juste rapidement par rapport au palmarès de Vinícius, mm-hmm. c'est plutôt la Super Coupe d'Espagne, parce que la Super Coupe d'Europe, elle a été remportée après le délai imparti pour le vote. D'accord. Donc, du coup, les stats données pour Rodri ben, ne reflètent pas son rôle de milieu de terrain défensif. Moi, je me suis penché sur d'autres stats que ses buts, ses passes décisives. Un milieu de terrain défensif, on ne va pas le juger sur ses buts, ses passes décisives dans la saison. Mais Rodri, quand même, c'est 93% en termes de précision de passe dans le milieu de terrain. 72% de dribbles tentés réussis. Je me passe même des stats en termes d'interception, des attaques qu'il arrive à casser, tout ça. Donc, c'est sur ça que moi, j'attends en termes de stats qu'on puisse juger Rodri. Mais évidemment, si vous plaquez le nombre de buts et de passes décisives de Rodri et de Vinícius comme stats sur lesquelles on doit se baser pour voter, ben, tout le monde va voter Vinícius, naturellement, mais ce n'est pas le cas et c'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Voilà. Et au-delà des stats individuelles et collectives qu'on a là, il y a un troisième critère quand même dans le Ballon d'Or. C'est la classe, le fair play, le talent du joueur aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la classe, le fair play? Bon, c'est pour ça que je reviens encore au feeling. C'est une élection qu'on a beau vouloir rendre objective, mais qui reste tout de même subjective. Après le fair play, on peut juger peut-être au carton reçu dans la saison et tout ça. On fait tout pour rendre au maximum objectif, mais ça reste subjectif. Oui, parlant de palmarès des deux joueurs, moi, pourquoi je préfère Rodri? Parce que quand Rodri, il te fait 15 passes décisives pour un milieu défensif, il te marque 12 buts, je pense que très peu de milieux défensifs l'ont réussi dans les carrières. Mais après, Bellingham, comme je le dis, même si c'est vrai qu'il est plus relayeur box-to-box. Voilà, Bellingham joue même parfois devant que chose. Et puis, là, la Ligue des Champions, en Europe, forcément, c'est une seule équipe qui va gagner. Mais quand on prend les deux joueurs dans leur équipe nationale respective, quand on voit l'importance ce que Rodri apporte à cette équipe d'Espagne, on attendait Vinícius Junior. Moi, c'est là qu'il m'a déçu. Moi, j'ai eu la chance vraiment de regarder tous les matchs, ou presque, de la Copa América, mais il a été une grosse déception pour tout le monde qui le croyait, qui le pensait capable de relayer ou de prendre la place de Neymar Junior qui était blessé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? En quart de finale, il s'est pris 2 cartons jaunes et c'est sur le bord du terrain qu'il a suivi l'élimination de son pays. Il n'a pas été le leader qu'on attendait. Il a laissé ce rôle au jeune Rodri. Rodrigo, c'est ça. Et ça n'a pas été. Bon, moi, c'est là qu'il m'a déçu. S'il avait été capable de porter ou d'emmener cette équipe du Brésil, ne serait-ce qu'en finale, je pense que, légitimement, il aurait... J'allais peut-être suivre ceux qui pensent que c'est lui qui mérite, mais pour n'avoir pas été capable d'emmener le Brésil là où Messi a été capable de le faire avec l'Argentine, je dis, il ne méritait pas, parce que Rodri a gagné l'Euro, il a été le meilleur joueur MVP de l'Euro. Je pense qu'il faut le respecter. Moi, je vais encore dézonner parce que moi, la cristallisation autour de ces deux joueurs-là me gêne. Mais puisque c'est deux qu'on parle. Oui, en fait, ça me gêne un peu, d'autant plus que je ne pense pas que Vinícius ait dominé largement ses adversaires. Alors, parlons de buteurs. Si c'est à ça qu'on doit juger le meilleur joueur au monde, ou du Ballon d'Or, Lautaro Martinez, par exemple, qui a marqué, pardon, excusez-moi, 35 buts, 8 passes décisives, qui a gagné la Copa América, qui a gagné la Série A, qui a même gagné la Super Coupe d'Italie, meilleur buteur de la Copa América, meilleur buteur de la Série A. Est-ce que c'est lui le meilleur joueur? Donc, à un moment donné... On aurait pu même faire appel à Messi également, voilà. Parce que là, il te manque 2 triplés en 1 semaine. Ah non, mais c'est terminé. Le règne est terminé. Mais je pense que cette cristallisation-là permet de mettre beaucoup plus en évidence celui qui marque beaucoup plus de buts. Et ça a toujours été ainsi. Et c'est pourquoi Arsène Wenger a toujours dit que le Ballon d'Or était détestable parce que c'est une distinction qui vient saluer, célébrer un individu. Alors que le football... Mais après ça, ça reste peut-être dans l'imaginaire populaire, mais je pense que les jurés, les 100 jurés, plus Didier Drogba, donc ils sont 101 pour 103 votes, parce qu'il y a aussi les 2 votes des 2 journalistes qui avaient eu le vote le plus pertinent sur la saison passée. Donc les 101 jurés, je pense qu'ils sont quand même lucides. Ils ne vont pas tomber non plus dans cette ultra-émotion. C'est le football, ça reste de l'émotion, c'est vrai. Mais ils ne vont pas tomber non plus dans ce jugement totalement subjectif et basé sur le cœur. Non, il y a quand même la raison qui parle. OK, avançons, messieurs, s'il vous plaît, dans le débat. Je voudrais qu'on revienne donc, sur l'absence du Real Madrid à cette cérémonie. Est-ce que vous comprenez le boycott de la part des Madrilènes? Guillaume Aoutou. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et je crois qu'on a mené ce débat dans sur nos différentes plateformes. Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce qu'un joueur n'a pas gagné, n'a pas... On espérait, mais finalement, c'est un vote. C'est un jeu. Vous n'avez pas gagné, mais vous ne devez pas vous comporter comme des gamins qui pleuraient et à qui on a refusé des moments. Non, je pense que moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Ça donne l'impression que Florentino Pérez et le Real de Madrid ne sont pas fair-play. Alors que c'est un jeu. C'est un jeu. Il faut accepter de perdre aujourd'hui et de gagner demain. L'an dernier, c'était qui? Benzema. Tout le monde a applaudi. Personne n'a crié au scandale. Pourquoi? C'était Messi. C'était Messi l'année dernière. C'était Messi, Benzema avant. Il y a 2 ans. Benzema avant, voilà. Je veux que le Real dise que bon, voilà, nous sommes l'équipe qui produit le plus de ballons d'or, mais si pour une fois vous n'avez pas gagné, en plus, Rodri, c'est un Espagnol. Quoi de plus normal pour être heureux? Mais moi, je comprends. Ben voilà, mais, oui, mais bon. D'accord, je comprends pas. Moi, je comprends. Alors, Guillaume a utilisé un thème. Ce ne sont pas des gamins. Florentino Pérez, ce n'est pas un gamin. Si Florentino Pérez, qui a accepté de participer avec toute son équipe, donc avec tout le Real de Madrid, aux précédentes éditions du Ballon d'Or, alors que ce n'était pas forcément ses joueurs, bien les joueurs du Real qui étaient... Il n'a pas toujours gagné. C'est qu'il y a eu forcément quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qu'il faut chercher à savoir, tout simplement, ce qui s'est passé entre le Real Madrid, donc Florentino Pérez, et les responsables donc, de France Football, pour que lui prenne de manière unilatérale et de manière... voilà, comme ça, décide de ne pas faire venir. Donc, pour moi, je pourrais comprendre la frustration parce que je pense que Florentino Pérez ne peut pas prendre une décision comme ça sur un coup de tête. Alors, justement, est-ce que le fait que le Real ne se rende pas à Paris pour la cérémonie fragilise ce ballon d'or qui est quand même... voilà, qui commence à être sérieusement critiqué depuis quand même quelques années. Oh, il est tout le temps critiqué, mais il est à chaque fois encore plus attendu l'année suivante. Et là, j'imagine même pas l'année 2025. Là, il sera encore plus attendu que cette année-là, vu justement ce qui s'est passé. Donc, on va dire que la critique qui en est faite stimule davantage l'attente qu'il y a derrière ce trophée-là. Est-ce que l'absence du Real Madrid fragilise? Je ne sais pas, tous les clubs au monde n'étaient pas non plus présents. C'est vrai que c'est le plus grand club au monde, le club le plus titré au monde, mais est-ce que ça fragilise? On aurait aimé. Franchement, moi, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Je ne suis pas d'accord, pour revenir même peut-être à la question que vous avez posée précédemment. Je comprends qu'ils ne soient pas venus, parce que, évidemment, c'est une grosse déception pour eux, mais je n'acquiesce pas. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'ils ne soient pas venus. On a tous envie de voir le monde du football réunis et non pas en guéguerre ou en guerre froide. Et malheureusement, c'est ce qui s'est produit. Effectivement. Et malheureusement, c'est ce qui s'est produit. Et moi, ça me fait un pincement au cœur parce qu'on est dans un jeu, comme Guillaume l'a dit, et tous les vaincus doivent applaudir le vainqueur qui est à son tour aujourd'hui. Alors, le Ballon d'Or serait fragilisé si, à prochaine édition, le Real de Madrid décide clairement de se retirer de cette compétition. S'il n'y a pas le Real de Madrid la saison prochaine, je pense que ça sera fragilisé parce que le Real Madrid traîne également beaucoup de monde. Il a indiqué que c'est le plus grand club au monde, c'est le club qui a remporté beaucoup plus de trophées et c'est le club aujourd'hui, si je ne m'abuse, qui a des joueurs importants au niveau donc, du football mondial, même si je ne vais pas rabaisser quelques-uns de Manchester City. Mais aujourd'hui, les potentiels ballons d'or, c'est ou au Real Madrid ou un tout petit peu au Barça. Donc, l'année prochaine, si le Real décide de ne pas participer ou décide de ne pas reconnaître tout simplement les différentes distinctions qui seront attribuées potentiellement à ses pensionnaires, je pense que ce ballon d'or-là sera fortement fragilisé. Ça viendra. J'aurais compris vraiment le Real Madrid si il y avait une promesse qui leur avait été faite. Alors que... Peut-être que oui. Non, mais justement... Parce que Fiorentino Pérez... Est-ce que vous avez été l'un des premiers à relayer les propos du rédacteur en chef de France Football? Tu n'as pas ces phrases qui rient. Après, je sais que c'est un grand garçon, pour ne pas utiliser le terme péjoratif « mentir », il ne va pas venir nous mentir. Donc, j'ose croire que ce qu'il a dit est une partie de la vérité. Mais tout à l'heure, Guillaume, vous aviez dit que Florentino Pérez était au courant depuis vendredi, non, donc bien avant le Classico. Mais comment il a été au courant? Ce que je dis, c'est-à-dire qu'il a dit, je le paraphrase, il a dit que les clubs, les responsables des clubs ont tenté de leur arracher le nom du vainqueur. Et ils n'ont jamais su qui allait être désigné comme vainqueur du Ballon d'Or 2024 parce qu'ils ont décidé que ce soit ainsi pour cette année. Et donc, je dis, si il y a une promesse qui leur avait été faite, leur dit, on va donner le Ballon d'Or à votre joueur. Je n'ai pas dit que le vote désigne votre joueur comme Ballon d'Or, mais on va donner le Ballon d'Or à votre joueur et que ça n'a pas été fait. Alors, j'aurais compris, Florentino Pérez. Mais tant que il n'y a pas un jury qui vienne nous dire que son vote a été tronqué ou truqué et changé pour donner le ballon d'or à Rodri et que ça a été un vote qui a permis à Rodri, parce que ce que Patrick Guité dit et qui est vrai, c'est qu'il y a Bellingham, il y a Cabayal, il y a Vinicius. Oui. Et donc, pour les amoureux du Real Madrid qui souhaitaient voir un joueur du Real Madrid remporter le Ballon d'Or 2024, s'ils ont dispersé leur voix, parce que vous savez que c'est des points qui sont attribués, s'ils ont dispersé leur voix, il est clair que Rodri, qui lui est seul à Manchester City, viennent les coiffer au poteau. Et donc, pour moi, je ne comprends pas. Voilà. D'accord, d'accord. Avançons, messieurs. Alors, certains observateurs estiment qu'il faudrait peut-être revoir les critères de vote et de sélection des nommés. Alors, quand on sait que les critères des sélections sont les suivants, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. En deuxième, l'aspect collectif et les trophées remportés. Et enfin, donc, on en parlait tout à l'heure, la classe et le fair play. Est-ce que vous partagez cet avis, vous? Non, du tout. Parce qu'aujourd'hui, on a des critères qui, pour moi, sont vraiment exhaustifs, qui couvrent l'ensemble de ce qui peut entourer la saison d'un joueur. Parce que là, on parle pas du meilleur joueur du monde. On parle du meilleur joueur de la saison. C'est ce que le Ballon d'Or récompense. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Le meilleur joueur du monde de la saison. Bon, peut-être. Voilà, c'est ça, le meilleur joueur du monde de la saison. OK. Ou bien, oui, c'est ça, de la saison dans le monde. Donc, qu'est-ce que vous voulez comme critère de plus ou de moins dans ces trois critères qui sont déjà énumérés? Moi, je n'en vois pas. Avant, on parlait de la carrière du joueur. Mais en 2022, il y a eu un petit remaniement au niveau des critères. On a enlevé le critère de la carrière du joueur parce qu'on estimait, à tort ou à raison, que ça laissait place à une certaine hégémonie. À raison, bon, peut-être, comme ça a été le cas de Messi et de Cristiano Ronaldo. Et là, vraiment, on se cantonne sur la saison. Qu'est-ce que vous dites? Donnez-moi quels critères on peut ajouter ou enlever de cela. Ben, on va poser la question. Moi, je suis d'accord avec Nasser. Qu'est-ce que vous voulez enlever? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez enlever? Même si tout de suite on ajoute... et puis après, encore une fois, et je l'ai dit lundi dernier, c'est subjectif parce que c'est lié au sentiment, à l'émotion de celui qui vote. Et souvent même à son appartenance, en tant que territoriale. Parce que, imaginez-vous, Guillaume l'a indiqué, vous avez trois joueurs, Carvalho, Bellingham et Vinicius, un Anglais, un Espagnol et un Brésilien. Excusez-moi, c'est vrai que le journaliste brésilien il peut être professionnel comme il veut, mais c'est sûr qu'il y aura un penchant pour Vinicius, surtout qu'il a fait ces stats qu'il a fait là. Le journaliste anglais également. Donc, pour ma part, tant que ça sera un vote, tant que ça ne sera pas mathématique, tant que ça ne sera pas mécanique, il y aura un peu de subjectivité qui fera qu'on aurait donc ces débats. De le rendre le plus mécanique possible, mais ça ne peut pas. Ce qu'on va faire, peut-être pour contenter tout le monde, il y a quatre zones sur le terrain. Il y a le gardien, il y a les défenseurs, il y a les milieux de terrain, et puis, il y a les attaquants. Dans les milieux de terrain, même, il y a les milieux de terrain défensifs. Mais là encore, il y aura beaucoup de débats. Parce que même entre les attaquants, voilà, mais tout à l'heure... On parle pas tous en même temps, s'il vous plaît, messieurs. Même là, il y aura encore débat. Parce que tout à l'heure, Patrick a parlé en termes d'attaquants. Donc, pour les attaquants, on regarderait quoi? Les buts et les passes décisives. Absolument. Il a parlé d'Lautaro Martinez, même Mbappé, qui nous met 52 buts, 20 passes décisives. Harry Kane, qui nous met 52 buts également de la saison. Il y aurait un débat là entre les deux. J'avais pas fini là. Allez-y, allez-y. Alors, pour les attaquants, c'est le nombre de buts, parce qu'ils sont là pour marquer des buts. Donc là, on aurait eu deux ballons d'or. Pour les milieux offensifs, c'est le nombre de passes décisives. Pour les milieux défensifs, c'est l'interception des ballons, comment, voilà, et tout ça. Et puis pour les défenseurs... Donc, il faudrait 4 ballons d'or tous les ans. Ben voilà, parce que comme Patrick l'a dit, non, en fait, je dis ça parce que, comme Patrick l'a dit, on a souvent Dieu que pour les attaquants. Et pourtant, en 2006, quand on donne à Cannavaro, mais il a été monstrueux. Mais oui. Ben voilà. Ça a été contesté. Mais on conteste pourquoi? Parce que c'est un défenseur. D'accord. Là, on conteste Rodri parce que c'est un attaquant. Non, on a contesté Ribéry. Ils ont contesté Cristiano Ronaldo et Ribéry en 2013. Pourtant, les deux sont attaquants. Mais bon, là, ça c'est... C'est-à-dire que là aussi, c'était les statistiques. Il y a toujours des contestations. Donc, je pense que, bon, voilà... Vous avez évoqué deux noms tout à l'heure. Messi et Ronaldo, forcément. On en parle, puisque puisque pour la première fois depuis 20 ans, ces deux joueurs, ces deux monstres du football sont absents. On dit même que ça y est, c'est la fin d'une ère. Est-ce que ce ballon d'or a manqué de saveur, selon vous? Non, parce que vous l'avez dit, ils sont au crépuscule de leur carrière. Et c'est la fin. Après, je pense que pour nous, les nostalgiques, pour nous qui les avons vus jouer et dominer le football mondial de façon individuelle sur ces deux dernières décennies, voilà, c'est un pincement au cœur de les voir tirer leur révérence sportive de, je veux dire... de haut niveau. De haut niveau. Mais quand ils sont encore avec l'équipe nationale... Mais, ça a manqué de saveur ou pas? Mais non, ça n'a pas manqué de saveur. Ça n'a pas manqué de saveur. Le dit que ça a manqué de saveur, c'est de manquer de respect à ceux qui ont été désignés. Et je pense que, comme je l'ai dit, ils ne sont pas moins méritants que Messi et Cristiano Ronaldo. Non, vous allez fâcher les téléspectateurs. Ah oui, non, pour moi, en tout cas, personnellement, pour ce que ces jeunes, ces joueurs montrent, aujourd'hui, il faut accepter que Ronaldo et Messi, ça commence à être du passé, même si Messi continue de porter l'Argentine, comme on l'a vu. Mais voilà. Ah, moi, je suis très d'accord avec Guillaume pour parler de saveur. Saveur parce que émotion que nous transmettent des joueurs. Ces joueurs-là qui nous ont transmis, il a dit qu'il était un peu nostalgique. Quand tu as vécu l'époque de Cristiano Ronaldo, de Messi, mais au-delà de Kaka, de Zidane, et qu'aujourd'hui on te sait, excusez-moi, je respecte Rodri, mais quand on te sait Rodri ou Vinícius ou Bellingham, excusez-moi, c'est pas le même niveau d'émotion, c'est pas la même saveur, c'est pas la même chose. On a envie de retrouver des joueurs qui culminent à un certain niveau, et aujourd'hui, je pense que à cause donc du niveau de ces joueurs-là, ce ballon d'or là n'est pas... N'eût été cet événement Real Madrid, là, je ne pense pas qu'on aurait connu tant de débats autour de ça. Bon, je dois être court, mais malheureusement, ben, moi, je ne suis pas d'accord du tout avec Patrick, parce que quand vous regardez, en termes de... Il parlait de joueurs qui culminent à un certain niveau. On a parlé tout à l'heure des stades de Mbappé, de Kane, de tout cela, de l'émotion qu'ils transmettent. Moi, je pense que Patrick est nostalgique. Quand même. Mais aujourd'hui, on a des joueurs... beaucoup plus d'émotion que quand tu vois... Mais non, c'est subjectif, l'émotion. Ronaldo, tout ça. Non, après, c'est vrai que le duel Messi-Cristiano Ronaldo, couplé au duel Barça-Real, qui est un duel très vieux, montait un peu l'adrénaline à un certain moment. Vous êtes quand même d'accord dans le fait de dire que ça donnait du piquant, ça donnait quand même... Mais le ballon d'or n'était pas moins pimenté avant. Oui, je me souviens du ballon d'or de Cannavaro, par exemple, en 2006, on en a beaucoup parlé. Parce que celui de Ronaldinho en 2005. Parce qu'à l'époque, c'était réservé seulement, je crois, aux Européens. Et non, donc, oui, Maradona, par exemple, à l'époque, il y a eu cette rivalité entre Diego Maradona et Michel Platini, Diego Maradona et Socrates et autres, c'était des monstres sacrés du ballon rond. Après, aujourd'hui, ce sont des monstres sacrés. Non, mais il faut accepter que c'est chaque génération. C'est difficile. Chaque génération a ses références. Je trouve que est nostalgique et qu'il faut qu'il se replonge davantage dans Allez, dernière question, messieurs. Dernière question, s'il vous plaît. Donc, au regard de tout ce qu'on a dit depuis le début de ce débat, est-ce qu'on peut dire que le Ballon d'Or a perdu en termes de crédibilité? Aucunement. Alors, attendez, avant de vous... il est chaud, là. Il est pas me sauter dessus, d'accord. Attendez juste un tout petit peu, parce que c'est vrai qu'on a posé cette question aux Ivoiriens. C'était la question face cam de cette semaine. Et je vous propose de regarder leurs réponses. Ensuite, vous allez vous exprimer. Il y a encore de la crédibilité dedans parce que il est vrai que tout le monde s'attendait à Vinícius, mais dans l'ensemble aussi, dans le collectif, Rodri aussi mérite. Donc je pense que si les journalistes l'ont choisi, c'est parce qu'ils ont essayé de voir sur plusieurs plans et puis bon, il mérite vraiment. Le Ballon d'Or n'a pas perdu sa crédibilité parce que le Ballon d'Or, il y a des critères, il y a des journalistes qui votent, il n'a pas perdu sa crédibilité sinon. Les joueurs, tout le monde n'avait pas rêvé à posséder ce trophée. Le Ballon d'Or a perdu toute sa crédibilité parce que chaque année, on change des critères pour récompenser le jeu qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'on change les critères en fonction du joueur qui nous veut donner le ballon d'or. Le ballon d'or 2024 a manqué de crédibilité. Parce que quand on voit, voyons les actions de Vinicius, normalement c'est lui qui devrait mériter ce ballon d'or. Mais malheureusement, il a été attribué à Rodri. Donc le ballon d'or 2024 a manqué de crédibilité. Ça, il faut le dire, il faut avoir l'honnêteté de le dire sincèrement. Voilà, voilà, voilà. À Rodri, d'accord, bon, très bien. Allez, Nasser, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, le Ballon d'Or a-t-il perdu toute crédibilité? Non, absolument pas, absolument pas. Je pense qu'aujourd'hui, on assiste à un tintamarre de la part des déçus qui, naturellement, ne digèrent pas la défaite de leur poulain. Ça va leur passer et ça va donner encore, comme je l'ai dit, plus de piment au Ballon d'Or de la saison prochaine. D'accord. Patrick Guitté. Le Ballon d'Or garde toute sa crédibilité, totalement. La saison prochaine, on va encore venir ici sur ce plateau, venir discuter du Ballon d'Or. Et les téléspectateurs de NCI vont encore donner leur avis. Certains seront d'avis, même si, que ce soit Vinicius l'année prochaine, hein, qu'il fasse des stats exceptionnels, et que ce soit Vinicius, il y aura encore des débats pour dire ben, Haaland, Mbappé, etc. Donc le Ballon d'Or reste un élément important que France Football a su imposer tout simplement dans la sphère footballistique. Et vous, Guillaume Aoutou? L'année prochaine, ça sera la 69e édition. Je pense que 69 ans dans la vie d'un individu, on va dire qu'il a vécu. Et je pense que, comme ils l'ont dit, mes prédécesseurs, on sera là encore pour voir d'autres talents émerger. Lamine Yamal, par exemple, qui devient un client très, très sérieux. Pour... Ça, c'est le supporter du Barça. Ah non, mais je le dis, hein, je le dis, peut-être c'est ça qui fâche Vinicius, parce qu'il aurait voulu gagner son ballon d'or, et puis bon, voilà, échapper à la meute, mais parce que derrière, ça pousse. Et on sera là. Le ballon d'or, moi, je pense que garde toute sa saveur. 2025, c'est pas loin. Ouais, on est dans une saison où il n'y aura pas de compétition internationale majeure qui sera prise en compte, donc... Ouais, ça reste ouvert. Là, la Ligue des Champions pourrait être... La Ligue des Champions, de championnat aussi. Non, mais ça sera encore beaucoup, beaucoup ouvert, à mon avis. Ben, si d'ici là, Vinicius ne s'exile pas du côté de l'Arabie Saoudite, parce qu'il est question de partir. Ça ne risque pas. Vraiment, vraiment. Vraiment. Ah ouais? C'est bon? Ben ouais, le Barça, toujours. Ben oui, non, le Barça, c'est une grande équipe qui fait des merveilles avec de jeunes joueurs. D'accord. Mais le Real reste le plus grand club au monde. Absolument. Allez, oui, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, messieurs. Bon, ben voilà, c'est la fin de ce débat et de ce numéro de NCI Sport. Prochain rendez-vous sport, eh bien, c'est pas loin. Non, c'est ce mercredi, là, dans 2 jours, hein, pour l'UEFA Champions League, avec une belle affiche à vous proposer, hein, encore ce mercredi. Étoile Rouge de Belgrade face au FC Barcelone. Ah ben tiens, voilà. Facile, facile. Ah non, c'est le foot. Hein. Ouais, c'est le foot, il faut arriver. Faire attention, voilà, ouais, tout peut arriver. Il y a des grosses surprises dans cette compétition. C'est comme ça que le Real a pensé pouvoir faire du FC Barcelone. Merci. Voilà. Merci, monsieur Aoutou. La soupe s'est renversée là. Voilà, donc ce mercredi, hein, Étoile Rouge de Belgrade, FC Barcelone. Ce sera à partir de 19 h sur NCI, bien sûr. Allez, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Merci beaucoup, messieurs. Et puis, on se donne rendez-vous mercredi soir. Bye bye.